Coucou, aujourd'hui on va faire des Mémoridex. Voilà. Alors, quand on avait été à version scrap au mois d'avril, je me suis pris un petit kit comme ça de 3 dice. En fait, vous avez les 3 dimensions de dice qui font en sorte que on peut découper dans notre papier des épaisseurs différentes. Alors, je les ai déjà découpés. Je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, il y a, du coup, ça fait 3 dimensions et on peut découper de 3 façons différentes. On peut, à la limite, notre Mémoredex, on peut la faire que avec celle-ci. Bon, pas avec les 2 autres dice, mais le dice principal, la base, oui, parce que vous avez les trous qui sont bien faits. Bon, ceux-là, non, mais ça, c'est juste, ces deux-là, les deux plus petits, sont juste pour la déco. Voilà, donc alors, j'ai fait sur un papier blanc classique. Après, j'ai fait papier miroir et un papier que j'aimais beaucoup dans un bloc format, enfin pas format, motif, pardon, tricot blanc. Donc j'ai fait les 3 mêmes, sauf que de 3 couleurs différentes. Voilà. Et j'ai des dice, j'ai reçu des dice, il fallait que, faut que j'aie envie de m'en servir. Donc j'ai fait des découpes. Alors vous voyez, là, c'est les petits enfants. Pareil, enfin, c'est tout dans le thème enfant préparatif de Noël, quoi. Voilà, celui-ci. Celui-là. Si j'y pense, je vous remettrai un lien en barre d'infos. Voilà. Et donc, j'en ai un en plus, là. Voilà. Et on va refaire un petit concours, un petit, non, c'est pas un concours, un petit jeu comme j'avais fait l'autre jour pour la citrouille. Et cette fois-là, il va falloir que vous me fassiez une phrase dans les commentaires. Vous voyez, ça, du coup, pour envoyer, c'est parfait, hein. Je glisse dans une enveloppe un timbre et c'est rapide à envoyer. Donc, dans les commentaires, il va falloir que vous me parliez de sapin. Voilà, vu qu'il y a un petit sapin dessus. Voilà. Vous mettez le mot sapin dans les commentaires. Et je ferai comme la dernière fois. Je noterai les noms des personnes qui m'ont remis la petite phrase. Moi, je veux pas de je participe ou quoi que ce soit. Juste vous mettez le mot sapin dans les commentaires et je vous enverrai ce petit dice. Voilà, je l'ai en 2 fois. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai fait toutes mes découpes en noir. Parce que je trouve que ça fait une ombre, c'est plus sympa, quoi. Alors, les Mémoridex. Alors, ce que j'ai fait aussi, c'est de chaque couleur de papier miroir, là, j'ai fait avec ma perfo 2 flocons de neige. Voilà. J'ai fait à chaque fois 2 flocons de neige de chaque couleur pour faire sur chaque Mémoridex. Donc, j'ai mis du double face sous les deux plus petits formats. Donc, on va les coller ensemble. Alors après, derrière, sur les Mémoridex, vous mettez vos coordonnées, en fait. Voilà, en général, vous mettez vos coordonnées, un peu comme les ATC. Ouh là là, j'ai du mal. Alors, on colle comme ça le fond et on va coller. Alors, si vous entendez une soufflerie, là, c'est que j'ai un petit radiateur électrique là dans ma pièce parce que le chauffage, il chauffe pas assez. Et vu qu'on a eu une grosse averse tout à l'heure, bah du coup l'humidité elle rentre dans ma pièce et bah j'ai froid. Voilà, j'ai froid, donc bah j'ai mon petit radiateur électrique. Très intéressant. Donc je vous ai pas montré de près ce que ça donne, vous voyez. Ça fait juste un petit liseré de miroir tout autour et moi j'aime beaucoup comme ça. Voilà, donc on va faire la deuxième ensemble. Quand vous faites des Mémoridex comme ça, bon, si vous en faites une, voilà, vous la faites au fur et à mesure, mais sinon autant tout couper, faire les dies, les découpes à l'avance, et après vous n'avez plus que l'assemblage à faire. C'est assez sympa à faire, mais je pense pas assez souvent à faire les Memoridex. Là, c'est en fait, c'est grâce à Monique qui m'a envoyé un courrier qui m'a dit j'attends toujours ta Memoridex. Oh, j'ai complètement oublié, donc je me suis dit bon, je vais faire une Memoridex, et puis comme ça. Je vais la faire en vidéo. Comme ça,
Hop, je vous montre mes nouveaux dives là que j'aime beaucoup 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 là avec les enfants. Et c'est une bonne période de Noël pour faire ça quoi. De toute façon ça je peux pas les utiliser à un autre moment. Hein. Les enfants qui font le sapin, la cheminée, les cadeaux. Tu sais, à la limite les cadeaux, bon, un anniversaire, mais. Ouais. Ça pourrait aller à un anniversaire. Mais c'est plus. Enfin, je pense que c'est plus réservé pour. Pour Noël. Bon, je suis pas très rapide aujourd'hui. Bon, je sais pas pourquoi j'ai une ombre. Je suis dans l'ombre là. Hop, le blanc ici. Voilà. Et on va faire la troisième. Alors j'aurais pu le faire avant, c'est sûr. J'aurais pu les coller avant. Mais si je fais tout avant, bah après il n'y a plus de tuto quoi. Hein. C'est juste du collage. Alors bon, je sais, je suis la fille de mamie Cole. Mais voilà quoi, moi aussi je colle tout. Hein. On coupe, on colle, on coupe, on colle, hein, c'est ça. Hop. Et... Oui, alors donc, je crois que j'ai oublié de dire derrière les informations qu'on met. Alors, on peut donner un titre à sa memory dex. Hein, je sais pas. Moi je vais l'appeler, je sais pas, préparation de Noël, ou quelques jours avant Noël, ou en attendant. Ah, en attendant Noël, ouais, c'est pas mal, en attendant Noël. Voilà, je peux donner un petit titre comme ça. Donc voilà. Je voulais pas faire les trois la même couleur. On met nos coordonnées, on peut mettre notre date d'anniversaire, notre adresse, notre mail, notre chaîne YouTube si on en a une. Et aussi, ce qui se fait aussi, c'est de mettre ce qu'on n'aime pas. Ça se fait aussi. Hein. Donc j'aime le bleu, j'aime pas le vert. Des choses un peu comme ça. Donc j'ai pensé mettre... Alors là, je les prends au fur et à mesure. Il me paraît grand celui-là. Non, ça va. Hop. Les mettre comme ça. Alors celui-là, j'aime trop, trop, trop. Regardez, il y a même le petit chat là. Voilà, j'aime beaucoup. Et dans le petit jeu là pour le dies, je mettrai des découpes de tous les autres. Hein. Je vous ferai des découpes en noir comme ça des autres que j'ai. Voilà. Alors j'ai ça, ou alors j'ai ça. Ou alors j'ai ça. Mais ceux-là, je les trouve un peu gros les personnages, c'est bizarre. Quoique ça fait bien sur la memory dex. Non, bah, je vais laisser ça. Donc je vais coller ces trois là déjà. Alors j'ai ressorti mon tout petit truc de colle là, bidon de colle, parce que celui-là et le bout est une aiguille. Et pour les petits trucs, les petits détails, franchement c'est quand même beaucoup beaucoup plus pratique. Bon maintenant il faut qu'elle descende. Oh ça va, ça descend assez bien. Allez hop, je colle. Alors j'avais sorti mes livrettes d'ice cut. Et bah non, au final, je vais utiliser mes découpes. Hop, hop, hop. Bon, donc le. Là, je sais même pas quand est-ce que je vais. Quand est-ce que je vais vous la publier, cette vidéo, parce que j'ai quelques vidéos d'avance déjà. Je sais pas quand est-ce que je vais vous la publier, donc je peux pas vous dire là maintenant jusqu'à quand vous pouvez participer quoi. De toute façon, je vais laisser quelques jours. Hein, je vais pas laisser non plus. Je vais pas laisser non plus attendre pendant 1000 ans. Hein. Non, ça sera quelques jours après. Je ferai un petit tirage au sort, voilà. La fille qui se rajoute du boulot, hein, comme si j'avais pas j'avais pas assez de choses à faire, mais non, mais ça me fait plaisir. Et puis c'est le moment de vous les envoyer. Et comme j'en ai deux, bah je vais pas me garder les deux. Ça sert à rien de me garder, que je me garde les deux. Donc bah, autant que vous en profitiez. Et que vous fassiez des belles créations avec ça, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà. Ah, je vais en mettre un petit peu sur sa queue de cheval là. Parce qu'après j'ai peur que ça rebique et que ça s'arrache. Voilà. Je sais pas vous quelle couleur vous auriez fait vos découpes de ça, parce que moi je fais pas de colorisation, donc je me voyais pas découper plein de choses, et enfin
les découper dans différentes couleurs pour les coller ou en blanc pour les colorier. J'ai pas, j'ai vraiment pas la patience et j'ai vraiment pas le talent pour colorier. Moi, je vois, il y en a, ils font des trucs de fou quoi, dans les coloriages. Oh, à chaque fois, je vous le dis hein, quand je parle de coloriage, mais je suis en admiration devant ceux qui font les dégradés, les ombres, tout ça. Parce que moi, j'en suis incapable. Mais vraiment, hein. Vraiment, vraiment. Allez, hop, on va coller ça là. Voilà. C'est chou quand même. Je vais vous les mettre à l'endroit parce que moi, je me les mets face à moi. Mais je suis pas sûre que vous les voyez très, très bien. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça pour vous. Ensuite, je vais prendre... Alors, les étoiles, je les fais par... Les étoiles de neige, oui, voilà. Je les fais par deux parce qu'en fait, quand je les colle ensemble, je les colle un peu comme ça. Voilà, parce que je les colle, vous voyez... Bon, vous voyez peut-être pas. Peut-être je vais vous mettre blanc. Enfin, non, c'est pas blanc, c'est marron même. Enfin, j'essaye de les intercaler. Parce que sinon, je sais pas. Comme ça, je trouve que ça fait un peu nu, juste une. Enfin, je pense, c'est... Ah, ça m'a fait une bulle. Allez hop, on va la mettre la bulle là. Alors je colle que le cœur. Voilà. Pourquoi? Bah je sais pas, c'est comme ça. Bah, on va mettre à la pointe là, celui-ci. Voilà. Celui-là aussi. Voilà. Du coup, moi je sais pas. Je trouve ça fait... C'est plus garni. Peut-être que c'est pas comme ça, hein, mais j'ai envie de faire comme ça. Alors je fais comme ça. Ou à moins d'en mettre deux séparés. Non, c'est pas terrible. Non, non, je vais faire pareil. Je vais les mettre aussi à la pointe, là. Bah, les trois, là, je vais les mettre à la pointe de la Memory Dex. Hop. C'est bien, mais il faut appuyer fort parce que ça sort pas bien. Hop, voilà. En décalé. Et celui-ci aussi. Alors, j'aurais pu faire les deux autres avant et puis en faire juste une en vidéo avec vous, mais... elle ne veut pas sortir. Hein. Mais, bon, bah, les trois, ça se fait. Hein. Ça se fait tout seul. Voilà. Alors... Voilà. Donc c'est les trois sur le même esprit, on va dire. Mais ils sont tous les trois différents. Je vais mettre une petite perle au milieu. Parce que je trouve que je suis bon. J'ai envie. J'avais sorti mes perles. J'avais dans l'idée de faire ça. Donc on va faire ça. Hop. Alors avec le papier miroir, faites attention avec la colle. Parce que ça tâche tout de suite et ça fait un mauvais effet quoi. Ah, ça me colle au doigt. Bah voilà, je vous dis faites attention. Et moi, je fais pas attention. Ça m'a collé au doigt. Voilà. Non, je vais faire autrement. Je vais essayer de mettre la pointe de colle sur mon embellissement là. Et on va le coller après. Parce que c'est autocollant ça, ces trucs là, mais moi je rajoute toujours de la colle parce que je trouve que c'est vraiment vraiment pas pas assez. Donc voilà, alors du coup, ah, si on voit quand même le haut du sapin. Donc voici pour celle-ci en doré. Voilà. Ensuite celle-là en vert miroir et en rouge. Voilà, c'est les trois couleurs principales de Noël. Et avec le fond en tricot blanc. Donc voilà, voilà, j'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas de mettre votre petit commentaire avec le petit mot-clé. Et d'ici quelques jours, eh ben, je vous ferai un petit tirage au sort comme j'avais fait la dernière fois pour Ah, l'audi d'enveloppe, j'avais Pocket Letter en tête, donc non, la mini l'audi d'enveloppe, et je me suis bien marrée en fait, parce que là je vous avais demandé un mot clé,
qui n'avait absolument rien à voir avec la Lodite. Je vous avais demandé le mot citrouille. Voilà, et je me suis marrée là, à lire vos commentaires. Oui, je vais aller faire ma soupe à la citrouille. T'aurais dû mettre une citrouille, c'est joli la couleur citrouille. Enfin bon, pourquoi pas faire une Lodite citrouille. Enfin, il y a eu plein de commentaires. C'était drôle en fait, c'était vraiment drôle à lire. Si vous voulez, vous allez voir en dessous la vidéo et vous lisez les commentaires. Et j'ai trouvé ça super sympa. Bref, on va recommencer. Bon, là, j'ai pas pris un mot-clé qui n'avait rien à voir. Hein. J'aurais pu prendre, je sais pas moi, frein à main. Voilà, donc j'aurais pu, je sais pas moi, Gare Saint-Lazare. Non, je sais pas, j'aurais pu prendre n'importe quoi pour faire une phrase. Mais non, là, c'est le sapin. Et bah, faites preuve d'imagination, faites-moi rigoler et mettez-moi des petits commentaires avec le mot sapin. Et puis, comme je vous dis, d'ici quelques jours, je vais faire le tirage au sort. Pareil avec les petits papiers, tout simple, hein, à bonne franquette, comme on peut dire. Je vous fais des bisous, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Bisous!